Déjà 6 ans qu'Anthony Colette performe sur TF1 dans l'émission Danse avec les stars. Chaque année, il est victime de nombreuses rumeurs sur son rapprochement avec ses partenaires de danse. Il fait le point aujourd'hui. La prochaine saison de Danse avec les stars se prépare et il semblerait y avoir de nombreux changements. Alors qu'un ancien juré du programme aimerait bien revenir dans l'émission de danse, Bilal Hassani préfère laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je n'ai que 23 ans et j'ai trop de choses à apprendre. Je ne voulais pas être donneur de leçons et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression d'être un infiltré dans une émission que j'adore, s'était confié le chanteur à nos confrères du Parisien. En quelques années, l'émission a trouvé sa place sur la chaîne TF1 et les danseurs du programme sont devenus de véritables stars, à l'image de Fauve Otto qui a été danseuse et jurée pour l'émission. De son côté, Anthony Colette a immédiatement séduit les téléspectateurs, mais aussi au cœur de nombreuses rumeurs sur ses relations amoureuses. Anthony Colette lassé par les rumeurs sur son rapprochement avec ses partenaires de dalle « Je peux danser complètement collé à ma partenaire, et même l'embrasser s'il le faut, sans arrière-pensée. » Si est-ce ce rapport à la séduction, ce charisme, qui fait qu'on aime la danse. Moi, j'aime ça, a expliqué Anthony Colette à nos confrères de gala. Un rapprochement physique qui est aussi au cœur de nombreuses rumeurs sur ses relations avec ses partenaires de danse. Tous les ans, lâche le danseur de TF1, on le vit bien dans mon couple parce qu'elle est dans le milieu, elle bosse sur l'émission, elle sait ce qui se passe, elle a ses taupes un peu partout. Elle le vit bien, mais dans la limite du raisonnable. Il faut prendre du recul, explique Anthony Colette. Il y a certains trucs qui ont été abusés de la part des magnétos, mais bon, il faut discuter. Avant je sortais énormément, maintenant je suis plus casanier. Ça rassure. Il faut prendre du recul et se dire que si est de la télé, explique Anthony Colette. S'il parle ouvertement de son idylle amoureuse, il tient à garder l'identité de sa chérie secrète. Sur les réseaux sociaux, le danseur publie de tendres clichés pour la Saint-Valentin, mais il prend le soin de cacher le visage de sa chère et tendre. Une discrétion qui fait enfler les rumeurs.